Ok, alors là, je viens de me réveiller, donc je me suis connecté sur le Camouf SMP, la canne SMP qui a été créée par Soran et tout. Il y a plein de petits gens sur le SMP, genre ces gens-là que je connais pas. Enfin bref, il y a des gens. Ah oui, au fait, regardez, j'ai fini ma petite boulangerie. En gros, bah j'ai fait une boulangerie comme ça. Genre, regardez, en gros, j'ai mis du baguette et tout. Genre, c'est là où j'ai mis les baguettes. Regardez, ouais, non, c'est pas là, c'est là. Non, c'est. Enfin bref. Sauf que du coup, bah hier, vraiment, j'ai galéré en fait à faire tout mon champ parce que regardez, déjà, quand même, en vrai, il est assez grand. Regardez, il est pas trop mal. Ah ouais, là-bas, il y a MyBios qui a fait un avion carrément. Enfin bref, je vais pas trop vous présenter les maisons et tout parce que c'est pas les miennes. Mais en tout cas, moi, niveau de mon champ, il y a eu un petit problème. Là, aujourd'hui, ça va barder. Déjà, qu'est-ce qu'il fait là, Shadowbass? Sur Discord, j'ai vu qu'il y a Axio qui a envoyé ce message. Regardez ce qu'il a fait. Si je ne m'abuse, bah c'est mon champ, ce truc. Non, mais ce qui veut dire que moi, hier, là, j'ai passé du temps à faire mon super champ et regardez, genre vraiment, là, j'ai envie de me connecter et tout. Il y a vraiment un truc. AX, Y, O, ou je sais pas quoi. Là. Enfin, regardez. En plus, il a tout cassé et tout. Le gars, il est venu pendant la nuit, là, et il a cassé au niveau de mon champ et tout. Là, il a cassé mes patates et tout. Il a même pas replanté. Non, parce que s'il avait replanté, honnêtement, j'en aurais rien à faire. Mais là, il a même pas replanté. Donc, déjà, on va réparer un peu ces bêtises, là. On va du coup casser ça, là, pour pouvoir en mettre. Du coup, on va remettre des patates ici. Voilà, là, il y avait des patates. Tout là, il y avait des patates. Ok, parfait. Et là, il y avait donc des graines normales, du coup, du blé comme ça. Ok. On va devoir réparer les bêtises des enfants, hein, vraiment, ici. Mais j'ai vraiment, je suis vraiment dans une garderie. Ok, c'est vraiment un beau SMP. On devrait plutôt l'appeler SMP garderie, je pense. On va pouvoir se venger. Donc, déjà, on répare tout. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça. Ok. Donc, normalement, j'ai tout replanté. Ce qui fait que ça devrait repousser. Non, ici, j'ai oublié le X. Ok. Mais non, il y a aussi un bloc ici aussi. Là, genre, il a sauté dessus et tout. Mais non, mais il a tout cassé. Mais non. Faut que j'aille chercher ma houe, là, dans ma chambre, là, pour un petit peu réparer ses bêtises. Et par contre, Axio, là. Non, mais Axio, mais il est pas prêt. On va lui préparer vraiment une petite vengeance, là, vraiment. Un petit truc aux oignons et tout qui va être parfait. J'ai pas une houe quelque part. Si, voilà, parfait, j'en ai une là. Voilà. Sur les autres, je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû les mettre, je sais pas où. Bon, du coup, maintenant, la question, c'est niveau vengeance, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si vous regardez, du coup, dans le village, donc ça, c'est ma boulangerie et tout. Donc, moi, bah, ma maison, en fait, elle est vraiment là-bas, là où je suis parti chercher mon stuff. Sauf que, bah, là, vous voyez, du coup, là, il y a la maison de Soran. Là, il y a, du coup, ma maison à moi. Là-bas, il y a le portail et tout. Il y a plein de petits trucs. Mais la maison d'Axio, du coup, si je dis pas n'importe quoi, c'est la petite maison qui est juste là. Ok, donc ça, c'est sa maison, ça, c'est ça, ça, chez Axio. Voilà, parfait, Axio. Voilà, c'est bon, c'est bien lui, c'est bon. Je prononce bien son pseudo. Ok. Donc là, faut que je fasse attention, mais normalement, regardez, normalement, personne n'est connecté. Parce que là, c'est le matin, genre assez tôt et tout. Genre, vraiment, il est 11h, donc normalement, ils sont tous en train de dormir. Donc déjà, il y a sa petite maison et tout. On va pas trop lui voler du stuff, je sais pas trop. En vrai, je suis sympa. Et en vrai, je suis sympa. Du coup, je vais replanter. J'ai vu que son champ derrière. Si vous regardez bien au niveau de son champ, là, qu'il a fait à côté de sa maison, regardez, vraiment, il a pas replanté quand il a cassé. Donc vu que je suis sympa, je vais du coup planter des patates, sachant que de base, vraiment, il avait genre mis du blé. Bah du coup, je vais mettre des patates. Déjà, je pense que ça va un petit peu l'embêter parce que bah, de base, je crois qu'il voulait pas des patates. Je sais, je vais faire un mélange genre des patates et du blé, genre vraiment, genre, ça n'a aucun sens. Voilà, comme ça, vraiment, il va me détester. Eh, mais en vrai, vu qu'il a attaqué mon champ, j'ai envie d'attaquer son champ. C'est qu'en fait, de base, j'avais prévu genre de poser des TNT dans sa maison, mais en fait, sa maison, elle est jolie. Et surtout, une seule TNT dans la maison, bah vraiment, ça fait tout exploser. Ah ouais, non, par contre, c'est pas une bonne idée. Du coup, j'ai une autre idée. Regardez, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, là, il y a plus d'eau. Donc là, comme ça, tout ce que j'ai planté, en fait, ça va juste se casser parce qu'il y a plus d'eau. Et ouais, mais en vrai, faut que je me venge, faut que je fasse une vraie vengeance. En vrai, j'ai une petite idée. Ok, donc ça, c'est sa maison. Et là, du coup, pendant qu'il est pas connecté, on va pouvoir, du coup, tranquillement, t'inquiète pas, je vais tout réparer, vraiment, hop, hop, hop. Déjà, son armure en diamant. Déjà, pourquoi il laisse son armure ici? Non, mais attendez, attendez, attendez. Déjà, on va lui voler ça. Voilà, on va lui rendre après. Mais déjà, on va lui voler ça. Je vais la cacher, genre, dans son coffre à cobblestone. Je pense que c'est une bonne idée. Genre, je pense que comme ça, du coup, il va vraiment bah, pas la trouver. Et bon, du coup, l'idée, c'est, on va casser le sol comme ça, là. Voilà, comme ça. Alors, ensuite, du coup, j'avais une idée. C'était en gros de faire un piège où, en fait, genre, son sol, il va se casser sous lui. Genre, quand il va marcher, en fait, il va se casser et tout. Et il va pleurer ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je vais pas faire exploser toute la maison. Mais en vrai, ok, ok, j'ai une idée. Mes coffres sont tellement bien organisés que je sais même pas si j'ai du gravier. Si j'en ai là, voilà, parfait. Ok, du coup, on a du gravier. On va faire des petites plaques de pression. Et du coup, j'avais dit que j'allais peut-être pas utiliser de TNT, mais je pense qu'en fait, si on a vraiment besoin de TNT. Alors pour ça, il va falloir que je trouve des creepers et que je trouve de la gunpowder. Ou au pire, je vais lui en voler à lui. Hein, en vrai, au pire, mais je sais pas si j'en ai de la gunpowder. Je dois en avoir un petit peu quelque part. Donc voici, il va nous falloir un petit peu de sable. Voilà, juste ici, là, comme ça, là, voilà, du sable, parfait. Voilà, ici, il y a plein de sable et tout, c'est parfait. Juste à côté, je suis sûr qu'on a de la gunpowder à un endroit parce qu'on a des élytras et tout. On va casser tout ça, on va réparer un petit peu pour que ce soit trop moche. Il y a rien dans ces coffres là, je rajoute de la poudre à canon là, il y en a pas. Bah non, il y en aura pas ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a rien, ça a déjà été pris. Bah oui, forcément. Bon, en fait, j'ai une meilleure idée, je pense que je vais plutôt involver Soran dans ma vengeance. Il m'a pas répondu mais je pense que, du coup, ça veut dire que c'est bon hein. Bah ouais. Je vais donc tranquillement passer chez Soran, voilà, sans tout faire exploser. Du coup, il y aura pas un petit peu de poudre à canon à des endroits là? Si si, il en a forcément. Oh, parfait, il en a 23. Je vais lui en emprunter un petit peu là. Au pire, on va lui rendre après, on va vraiment lui rembourser après. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir me faire des petites TNT. Vous allez voir, je vais pas tout faire exploser, j'ai une idée de piège encore mieux. Alors, du coup, par contre, vraiment, faut que je fasse gaffe parce que vraiment, s'il se connecte et qu'il va dans sa maison et qu'il me voit là en train de faire des trous dans son sol, il va pas comprendre. Ok, alors, elle est où sa table de craft là? Elle est là, voilà. Je vais m'éloigner un petit peu du village là pour vous montrer mon petit piège que j'avais envie de faire, mais en gros, je vais faire un trou en fait très profond, vraiment un trou très profond avec de la TNT ici. Et vous avez compris, bien sûr, avec une petite plaque de pression. Et en gros, je fais un truc comme ça là dans sa maison, genre là au niveau de sa porte et tout, je sais pas comment je vais faire. J'ai pas envie de trop vous montrer, mais comme ça, vraiment, s'il s'approche et qu'il appuie sur ça, ça tombe et puis ça lui explose dessus et puis il meurt.
cœur. Mais ça va pas faire sauter la maison normalement, vous voyez, du coup ça a juste fait exploser en fait, juste en sous-sol en fait. Donc normalement ça devrait être assez tranquille. Et après on va pouvoir du coup lui demander de se connecter, on va lui dire hey, j'ai un truc à te montrer et tout, dans ma maison, dans ta maison, ouais, tout ça, viens, ouais, fou, je t'ai fait une surprise et tout. Surprise de fou et tout, il va adorer la surprise. Voilà, déjà le petit piège comme ça, c'est fait quand il rentre, s'il est pas en accroupi, bah il se prend le truc et paf, du coup il tombe directement. Normalement vu qu'il y a la porte et tout, en plus il a vraiment mis une porte comme ça, c'est que normalement en fait il voit pas derrière, du coup quand il va rentrer, bah il va juste rentrer comme ça, genre il va faire la 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 parce qu'il est un peu bête. On va vraiment faire un trou très 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 profond. Ok, parfait, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, parfait. Je me suis dit que pour que le piège soit quand même un peu mieux, ce serait bien de mettre des pics comme ça. Vous voyez, genre les pics là, de dripstone et tout au bout. Ah, oh, c'est parfait, il y en a vraiment juste là, il y en a vraiment sous sa maison. Oh, la chance de fou par contre que j'ai eu, c'est qu'en fait sa maison elle est vraiment juste là. Ok. Ici, ici, et là on va pouvoir mettre des pics comme ça. Vraiment, s'il tombe dessus, bah ça lui fait mal et comme ça il meurt. Mais d'accord, le stuff ça dépop pas si on lance dessus. Non, c'est bon, ça dépop. Ok, c'est bon, parfait, c'est bon. Son stuff va pas dépop parce que ce serait quand même très très bête. Moi, je veux juste un peu l'embêter. Je veux pas, genre, je veux juste le tuer une fois, mais je veux pas qu'il perde son stuff qui rien quand même. Sinon, c'est pas cool. Mais il a quand même écrit son prénom dans mon champ de patates. Je suis désolé, c'est méchant, ça vraiment. C'est... Oh là là, vraiment, il mérite la mort en fait. Et voilà. Ok, parfait, parfait. Ensuite, la TNT, du coup, on va la poser juste ici. Si je dis pas n'importe quoi, oui, c'est bon, c'est ici. Ici, on va pouvoir poser le sable. Et attention, la plaque de pression. Voilà, si quelque chose active cette plaque de pression, bah vraiment, ça, c'est une très mauvaise idée. Mais du coup, le piège est bon. On rebouche tout ici. Voilà, c'est parfait. Maintenant, du coup, il faut que je puisse m'enfuir de la maison sans tout casser. On va réparer ça comme ça. Ok, c'est bon, c'était comme ça. Et là, il y avait ça. Ok, c'est bon, parfait. Tout est réparé. Sa maison a l'air d'être totalement normale vue de l'extérieur. Mais en fait, s'il rentre, eh ben, faut pas rentrer quoi. S'il rentre vraiment. @axio, je t'ai fait une surprise dans ta maison. Du coup, j'ai fait voir qu'il y avait une surprise super cool dans sa maison. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il se connecte. Ok, on est plus tard dans la soirée. Et je pense qu'Axio, il va enfin pouvoir se connecter. Entre temps, moi, j'ai un petit peu amélioré ma ferme et tout. Regardez, genre là, j'ai tout ça et tout de baguettes. J'ai tout ça de patates. Oui, c'est toi, viens sur serveur. En plus, j'ai fait des patates, en plus, j'ai fait une boulangerie. Faut que tu testes la boulangerie avant de voir ton cadeau. Tu regardes là, j'ai des patates. Bon, du coup, je t'ai fait un cadeau. Pour te remercier de, je sais pas, pour te remercier d'être super beau et tout, tu vois. Viens par là. Voilà. Donc là, déjà, rentre pas dans ta maison. Déjà, ouvre la boîte aux lettres. Je t'ai fait un petit cadeau dans la boîte aux lettres. Je t'ai fait un cadeau dans ta maison. Je te laisse rentrer pour juste rentre, ouvre la porte et rentre à l'intérieur. Tu verras, ce sera au fond. Rentre. Voilà.